Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, ce soir plutôt, on va faire une petite vidéo. On était censé vous faire le podcast XXL. Christian Téchin a rigolé tout le temps. On va vous parler de rétroéclairage de l'iMac, puisque vous me demandiez assez souvent comment ça se passait pour être éclairé en iMac. C'est super simple et on en parle de suite. Le rétroéclairage de l'iMac était basé initialement sur deux petites lampes de chez IKEA, qui sont donc celles-ci. C'est les Grenoux à 3,99€, donc 4€. Et en fait, j'avais mis ces deux petites lampes derrière l'écran, donc une de chaque côté, avec les petites ampoules qui vont bien, etc. Pour faire simple, ce sont ces petites lampes-là. Donc elles sont pas bien grandes, c'est pour ça que c'est des petites lampes d'ailleurs. Et en fait, il y a bien plus simple pour faire la lampe, que le rétroéclairage que vous allez mettre derrière. Ça va être d'utiliser le câblage de cette petite loupiote. À 4€, on va réutiliser le câblage, ça coûtera moins cher que d'en faire un soi-même. Et on va mettre une ampoule à haute efficience de ce type-là. Alors c'est une ampoule casino, celle-ci. Qui fait 12 watts, donc qui produit en réalité 80 watts, c'est ça, pour de l'incandescence à peu près. Ça doit être ça, c'est comme pour les... C'était quoi la blague de l'autre de tout à l'heure? Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Donc 12 watts qui produit donc 80 watts, c'est acheté chez Casino, celles de Carouf ce sont les mêmes, et celles de Philips ce sont les mêmes. C'est donc Philips, qui est le leader des lampes à économie d'énergie, etc., qui produit les ampoules pour Casino et pour Carrefour. Donc ça coûte je crois 7€ cette petite lampe, ceci 4€ et quelques, donc en gros à 10€ vous allez réussir à vous faire un superbe rétroéclairage de la mort qui tue comme derrière. Donc au fond, je sais pas si vous voyez bien, il y a tout simplement un petit pas de vis, une petite goupille au ras, donc on va venir tourner. Nyeh ! Évidemment je l'ai serré comme un con tout à l'heure, j'y arrive plus à le dévisser, voilà. Vous allez venir tourner cette petite goupille qui est donc ici. Et vous venez sortir tout simplement ceci. Donc en fait la petite goupille, pour que vous compreniez, elle était vissée ici et c'est ce qui maintient sur le truc en verre. Ensuite, ceci c'est super simple, vous venez, bon, fixez votre ampoule dessus, c'est évident. Ça, vous allez le passer dans le trou de l'iMac, le trou qu'il y a sur le pied, et venir verrouiller votre petite ampoule derrière. Et du coup, vous vous retrouvez avec 80 watts de lumière blanche, c'est ça l'intérêt de ces petites loupiottes, de lumière blanche derrière votre écran pour faire un rétroéclairage et pouvoir bosser dans des conditions nocturnes. C'est génial, c'est fantastique. Ça coûte à peu près 10€, voilà, c'est super peu cher comparé à des barres de LED ou à des tubes de néon tout simplement, qui coûtent au minimum dans les 20-30€ et qui font des lumières assez bizarres et surtout trop grosses. Ça ressort sur le côté, c'est pas terrible. Là vous avez tout caché derrière l'écran et ça vous fait un iMac Ambilight, technologie de chez Philips aussi. C'est tout ce qu'il y avait pour aujourd'hui. Bonne soirée à vous. Et à très vite. C'était Locan pour Locan.fr. Ciao, ciao. Tu as réenlevé ton fumier, du coup. C'est bon, le cadrage? Oui.